Bonjour, ici Stéphane Boutin, agent d'aide au développement des entreprises. Ça me fait plaisir de faire cette deuxième vidéo de la série Puissance qui concerne le plan de vente, car j'offre à mes clients un plan de vente de développement durable conçu pour augmenter vos ventes, mais aussi pour pérenniser vos prospects, que vous ayez toujours la possibilité de renouveler votre clientèle. Alors, un plan de vente, c'est en fait un plan de bataille. Vous avez sans doute entendu l'expression suivante, vendre, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas, c'est fini. Ça lui prend des rentrées, ça lui prend des revenus. Donc, la vente vous permet de rester en vie. Dans cette vidéo, on ne parlera pas nécessairement de la guerre, mais c'est parce que, en introduction, je tiens à préciser que la vente, c'est une guerre contre ses compétiteurs. C'est important de toujours garder ça à l'esprit afin que vous soyez d'une part motivé à vendre, mais aussi et surtout de cesser de perdre du temps. Parce que chaque fois que vous perdez du temps, vous ne faites pas de sous. Alors, dans cette vidéo, on va revenir à la base, c'est-à-dire de développer l'art de combattre sans combattre. Donc, quatre parties. Première partie, c'est quoi le plan de vente de Stéphane qu'il propose à ses clients? La deuxième partie, l'environnementalisation qui est essentielle dans une logique de développement durable. La troisième partie, c'est la clientélisation, tout aussi importante. Et la quatrième partie, nous allons aborder les deux types d'indicateurs que nous avons de besoin dans le plan pour l'évaluer, le superviser, c'est-à-dire les indicateurs de performance, mais aussi et surtout les indicateurs de développement durable. Alors, ne bougez pas, on revient tout de suite après la pause pour la première partie. C'est quoi le plan de vente que Stéphane vous propose? Je vous invite à découvrir ma page Facebook Perform 5.0, 5.0 pour les 5 dimensions de la vie. Lesquelles? À vous de le découvrir en faisant affaire avec moi, vous avez juste à m'écrire et ça me fera plaisir de vous compter parmi mes clients. Il faut que vous soyez motivé parce que avec moi, on s'entraîne. On s'entraîne physiquement, mais on s'entraîne surtout mentalement. Le mindset. Je vais m'en occuper de faire de vous des gagnants. Au plaisir! Alors, c'est quoi le plan de vente de développement durable que je vous propose? Ben, il n'y a rien de bien sorcier dans le plan que je veux vous vendre. C'est simplement que c'est un plan pour le 21e siècle, contrairement au plan habituel qu'on voit encore dans certaines entreprises. On est toujours étonné de voir qu'il y a des problèmes de productivité dans nos entreprises au Québec et au Canada, mais surtout au Québec. Je lisais un article il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que j'ai partagé sur ma page pro Facebook et dans mes groupes business, qu'au Québec, on était, disons, des cancres de la productivité. On va dire ça de même. OK, vous allez me dire, c'est quoi le lien avec les ventes? Ben, c'est parce que si vous êtes plus productif, vous allez être incité à vendre plus. Puis si vous êtes moins productif, ben, la vente, à un moment donné, devient un problème. Puis souvent, les entreprises, c'est leur problème, c'est les ventes. Et ça, ça amène des problèmes sur la production. C'est-à-dire qu'on commence à s'adapter à quelque chose qu'on ne devrait pas s'adapter. Il faut toujours être en démarche d'amélioration continue. C'est facile à dire, mais c'est vraiment pas simple à faire. Donc, ça vous prend un bon plan de vente pour que la production soit stimulée. Okay? Il ne s'agit pas de dire on paye les salaires et on est safe. C'est pas ça le point. Le point, c'est vous êtes en affaires. Vous êtes condamné à vous améliorer. Vous êtes condamné à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, si vous n'augmentez pas votre chiffre d'affaires autre que par du capital, qu'il n'y a pas de résultat dans les ventes, votre entreprise n'a pas beaucoup d'avenir. Je suis désolé de dire ça, mais au rythme où les changements vont, ça vous prend un bon plan de vente. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un bon plan de vente? Ben, il y a quatre choses qu'on retrouve dans un bon plan de vente. On parle de piliers. Si on va sur le site de la Banque de développement du Canada, bdc.ca, il regroupe là-dedans les quatre piliers. C'est comme ça qu'il appelle ça, les quatre piliers.
tout plan de vente, dont le mien, on retrouve ça. Si vous n'avez pas ça dans un plan de vente, il n'est pas bon plan, vous ne le prenez pas. Alors, c'est quoi en question? En fait, les objectifs. Il y a deux types d'objectifs. Premier pilier, les objectifs généraux du plan. Ensuite, les objectifs spécifiques. Troisième pilier, les moyens qu'on prend pour atteindre ces objectifs-là. Et le quatrième pilier, comment on évalue les résultats, c'est-à-dire les indicateurs de vente. Donc, dans mon plan, ces piliers-là, on parle plus de processus. Et on n'en parle pas de quatre, mais de trois. Est-ce que j'en ai enlevé un? Pas du tout. C'est simplement que, dans une perspective de développement durable, deux piliers se rejoignent dans un processus. C'est-à-dire que plutôt que de les séparer, on les intègre pour être plus efficace. Alors, dans mon plan, on parle plutôt d'environnementalisation, de clientélisation et aussi d'indicateurs de vente. L'environnementalisation, c'est quoi? Ce sont les moyens qu'on prend pour atteindre la vente. C'est simple, les objectifs de vente. C'est simplement que on parle plus d'environnement qui nous génère des moyens que des moyens en tant que tels. Pourquoi? Parce que dans notre approche, dans une approche qui nous permet d'être dynamique et de changer, bien, l'environnement peut toujours nous produire de nouveaux moyens. Tandis que dans les plans de vente traditionnels, bien, vous êtes obligé de changer le plan parce qu'il y a un nouveau moyen qui vient d'arriver. Bien, nous autres, ça ne marche pas de même. C'est déjà intégré à l'idée qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. On le chiffre dedans, excusez-moi le terme, puis on travaille avec. La clientélisation. Bien, c'est comme je disais, c'est les objectifs généraux et spécifiques qu'on retrouve, mais évidemment, dans la clientélisation, on retrouve la stratégie de prospection. Et pour ce qui est des indicateurs de vente, bien, les indicateurs de vente, nous autres, on parle de performance, donc des indicateurs de performance, mais aussi des indicateurs de développement durable. Nous, on ne regarde pas le rendement, on regarde la performance des vendeurs, la performance atteinte dans le plan. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que si vous avez embauché telle personne, c'est parce que ça devait être la meilleure que vous aviez eue lorsque vous avez fait votre appel de candidature. Si ce n'était pas le cas, vous avez un problème qui est antérieur à votre plan de vente que vous devriez corriger à l'interne. Mais, blague à part, on parle des meilleurs. Donc, si on parle des meilleurs, ce qu'on regarde, ce n'est plus le rendement, c'est la performance. Alors, au centre de notre plan, c'est vraiment le développement durable. Le respect, évidemment, des clients, le respect du vendeur et surtout le respect de votre entreprise avec toutes ses ressources. Alors, bougez pas, après la pause, on reparle de l'environnementalisation, mais on décortique l'environnementalisation. Environnementalisation. C'est quoi ce beau grand mot-là que Stéphane Boutin vous pitch comme ça à l'écran? En fait, c'est une des deux grandes parties du plan de vente en développement durable, l'environnementalisation et il y a aussi la clientélisation que nous allons voir tout de suite après. Alors, l'environnementalisation, c'est quoi au juste? Si vous allez sur le site stéphaneboutin.com, vous allez avoir une définition brève, mais quand même relativement clair de ce qu'est l'environnementalisation. L'environnementalisation consiste à lister les ressources technologiques, lister en voulant dire, on les énumère, et à établir les moyens disponibles pour créer l'environnement durablement optimisé pour votre entreprise. C'est le durablement optimisé qui peut poser problème dans la définition. En fait, ce que ça veut dire, c'est que votre environnement dans lequel vous évoluez pour faire la prospection de vos futurs clients, on doit s'organiser pour avoir la meilleure façon de les rejoindre pour être capable de travailler avec dans le long terme. On parle ici des prospects. Donc, quand on parle d'un environnement durablement optimisé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que votre stratégie de prospection que vous avez mis au point dans votre plan de vente pour rejoindre les prospects, bien, vous avez aussi pris en considération dans cet environnement-là tous les éléments
qui vont vous permettre d'accéder dans un délai très raisonnable à ces prospects-là, d'où lister les ressources technologiques dont je parle dans la définition. Alors, l'environnementalisation, c'est ça. C'est énumérer toutes les ressources technologiques, OK? Et prendre en considération de quel environnement on parle pour établir notre stratégie de prospection. Et là, ça va être bien important de définir l'environnement en question. Les prospecteurs, c'est de quoi on parle exactement, OK? D'abord. Deuxièmement, l'environnement dans lequel ils évoluent, ces prospects-là. Est-ce que c'est dans un milieu de travail précis? Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un immeuble à appartement? Ça dépend c'est quoi le projet. Donc, c'est ça, c'est des idées comme ça que je dis parce que l'environnementalisation, ça inclut le mot environnement. C'est important, mais il y a une démarche dans l'environnementalisation qui laisse sous-entendre que c'est dynamique. Donc, l'environnement peut être modifié et changé. Donc, un environnement durablement optimisé pour l'entreprise, ça veut dire que c'est un environnement qui accepte le changement de ses paramètres, c'est-à-dire que l'environnement qu'on avait au départ dans le plan continue d'évoluer lorsqu'on applique la stratégie de prospection. Donc, il y a évidemment à l'occasion une mise à jour de l'environnementalisation qui doit être faite pour rester durablement optimale. Alors, évidemment, quand on parle d'environnementalisation, on parle de listing, on parle de lister les ressources technologiques. Donc, je suggère souvent de travailler avec un fichier Excel, mais ça, c'est personnel à vous. Moi, j'ai été habitué depuis plusieurs années à travailler avec un fichier Excel, donc je travaille avec un fichier Excel, je le dis pour mes clients. Et c'est à partir de là que je vais lister les ressources technologiques de mon client. Donc, on parle de trois types de ressources technologiques. Les ressources technologiques internes à l'entreprise, les ressources technologiques externes à l'entreprise et les ressources technologiques périphériques à l'entreprise, mais aussi aux fournisseurs qui génèrent des services pour votre client. Donc, on parle de périphériques. C'est important aussi parce qu'il y a trois types de ressources technologiques. Et c'est important aussi de voir que dans l'environnementalisation, il faut définir les moyens disponibles. Parce que appliquer une stratégie de prospection, ça nécessite des ressources. Donc, évidemment, on parle de budget, on parle de ressources humaines et on parle évidemment de ressources matérielles. Bon, évidemment, les ressources technologiques, mais aussi il y a d'autres types de ressources matérielles qui peuvent embarquer là-dedans. Et on travaille, à travers l'environnementalisation, à créer, ce que je parlais en début, d'environnement durablement optimisé. Moi, j'appelle ça l'EDOP, E-D-O-P pour environnement durablement optimisé. Et l'EDOP, c'est quoi au juste? Donc, je l'ai défini brièvement, mais si on veut clairement préciser, c'est toutes les ressources disponibles à l'entreprise et balisées pour permettre la prospection durable et optimale pendant le mandat de réalisation du plan. Donc, tout au long du plan qui s'applique, on doit s'assurer que l'EDOP soit toujours viable pour aller chercher des prospects. Donc, je parlais en début de changement. C'est normal qu'il y ait des changements, ce que j'appelle des mises à jour de l'EDOP à des moments précis du plan. Ce qui signifie que pour un EDOP efficace, ça nous prend deux paramètres. D'abord, le paramètre de la mobilité, ce que j'appelle planifier la mobilité et la simplification des ressources. Pourquoi? Pour que ça coûte le moins cher possible au client. Et deuxièmement, l'autre paramètre de l'EDOP, c'est optimiser mobilité et simplification, c'est-à-dire prospecter la qualité. Pourquoi? Pour qu'on ait des prospects qui vont devenir des clients. Ça, c'est important. Il ne suffit pas d'aller chercher juste des noms. Il suffit aussi d'avoir des prospects qui sont possiblement des acheteurs de vos services ou produits. Alors, l'environnementalisation, c'est ça. On va prendre une pause, puis tout de suite après, on va parler de la clientélisation.
Alors, vous avez remarqué qu'il y a des choses de changer. J'ai changé la caméra de place, donc vous avez une nouvelle perspective de mon bureau. Ensuite, j'ai décidé que je faisais ma présentation pour la clientélisation assis. Pourquoi? Parce que ça me tentait. Blague à part, c'est surtout pour attirer votre attention sur le changement. Si l'environnementalisation comporte le mouvement, d'adaptation. Dans la clientélisation, c'est encore plus important. Avant la pause, vous ne vous attendiez pas à ce que je fasse une présentation assis, avec une perspective différente du bureau. Pourquoi? Parce que je vous avais habitué à une tradition, à une façon de faire. Maintenant, j'ai décidé de changer la situation. Le prospect, ça va être la même chose. C'est le prospect qui décide si oui ou non il achète vos services. C'est-à-dire qu'il devient un client. C'est lui qui décide. Alors, c'est ça que je veux faire dans cette partie-ci. Vous présenter la clientélisation et de vous présenter l'idée que c'est le client qui a le dernier mot. Parce que souvent, on entend lorsqu'on discute avec des vendeurs professionnels, qui sont comme assurés d'avoir telle personne, telle entreprise. Bien sûr, c'est important l'assurance en vente, ça c'est certain. Mais l'arrogance n'a pas sa place. Et c'est pour ça que la gestion de l'inconnu pour un vendeur peut devenir un problème et une source anxiogène. Et c'est à ça que nous, notre plan de vente de développement durable, on veut tranquillement amener le discernement là-dessus. Le changement est un vecteur de croissance avec moi. Ce n'est pas un frein, ce n'est pas un empêchement, un obstacle, mais plutôt un tremplin. Si ça arrive, c'est parce que vous devez changer des choses. Puis c'est correct comme ça. Pourquoi faire une présentation assis plutôt que debout? Au fond, c'est quoi la différence? Ça peut être désagréable pour les uns, ça peut être un manque de respect pour le protocole, peu importe la perception, c'est une question de perception. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec la clientélisation. Dans notre plan de vente, nous allons travailler non plus avec les perceptions, mais avec les faits. Et en travaillant avec les faits, nous allons avoir des résultats durablement mieux et meilleurs. Alors la clientélisation, nous allons voir la définition. Ensuite, les objectifs, ça c'est bien important. La question du marché et la cible que l'on doit se donner. Et finalement, le tableau de bord. Alors, pour ce qui est de la définition, vous l'avez sur le site stéphaneboutin.com. Je vais la répéter ici, rapidement. Ça consiste à établir des relations d'affaires ouvertes sur des perspectives d'achat de produits et de services. Et quand vous allez sur le site, vous allez constater que je résume assez bien la clientélisation. Qui achète quoi? Première question. La prospection des visites. Hein? Pour visiter nos clients, nos prospects, c'est normal qu'on devienne client. Ensuite, méthode de requête, parce qu'il faut corriger toutes les données recueillies. Hein? Et le marché ciblé. Alors, ça, c'est pas mal les grandes étapes du plan de vente. Ensuite, il faut donner des objectifs. Parce que si on veut avoir une stratégie de prospection efficace, il faut avoir des objectifs clairs, nets et précis. Donc, des objectifs d'abord généraux, c'est-à-dire c'est quoi au juste qu'on veut avoir comme prospect. Et ensuite, les objectifs spécifiques, c'est-à-dire qui sont les prospects que l'on vise. La stratégie de prospection asymétrique, il faut la rédiger, alors la rédige comment. Et finalement, les tactiques préconisées dans l'approche client versus les DOC qu'on a parlé dans la partie précédente. Alors ça, c'est bien important de comprendre ça, parce que la clientélisation va avoir un succès dans la mesure où on a des objectifs clairs, nets et précis, et des façons de faire qui vont nous permettre d'amener le changement et de travailler avec plutôt que de l'empêcher, de le repousser comme on voit souvent dans les plans de vente traditionnels. Évidemment, la question du marché ciblé, ça reste une donnée essentielle dans un plan de vente. Okay? La question « qui achète quoi actuellement? » il faut se la poser, parce que ça, c'est bien important. Ensuite, « qui sont vos concurrents? » C'est un peu comme dans un plan d'affaires. « Qui sont vos concurrents? » Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont aller
ramés dans la même eau que vous. Ils cherchent les mêmes prospects. Peut-être pas. Mais il faut voir quand même que les concurrents, ils sont là, puis ils sont là pour vous en enlever des clients. Donc, il faut vous travailler dans une perspective d'avoir des cibles, mais également la possibilité de voir des prospects là où vous n'avez pas l'habitude d'en voir. C'est pour ça aussi l'idée du changement, parce que lorsqu'on suit des cours, puis des formations en banque, des séminaires, des choses de même, le danger qui guette tout conseiller ou tout vendeur, c'est de plonger dans la recette. C'est-à-dire, j'applique la recette by the book, puis je fais ça de même. Puis là, on oublie que les prospects, ils peuvent en avoir ailleurs, parce qu'on refuse de regarder ailleurs. Il faut toujours avoir une perspective ouverte sur les choses. D'ailleurs, c'est dans la définition que j'en parle, établir des relations d'affaires ouvertes. Parce que la clientélisation est efficace dans des relations d'affaires ouvertes. Si vous êtes fermé, comme je vois des fois, par exemple, je donne un exemple, on voit sur Facebook, puis là, la personne, elle décide d'adhérer à du marketing de réseau, à part sa petite business, puis là, d'un coup, elle fait des j'aime, puis des j'adore à des places, puis là, elle vous en fait plus parce que vous n'êtes pas son prospect. Elle vous en faisait en tant qu'ami avant, mais là, elle vous en fait plus. Vous pensez quoi de cette personne-là? Qu'elle vous rejette? Possiblement. Qu'elle vous a toujours utilisé? Possiblement. Est-ce que ça vous tente d'acheter chez elle? Pourtant, dans certaines formations, c'est ce qu'ils enseignent. C'est pas la bonne approche. Ça, c'est la science du marketing. Mais l'art de la vente, c'est d'être ouvert. Oui, il faut apprendre à avoir des refus et les accepter. Il faut toujours rester ouvert. Si quelqu'un n'achète pas vos produits, ça ne vous empêche pas d'aller l'encourager pareil pour lui. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de démontrer que vous êtes un être humain. Donc, la relation d'affaires est juste en attente et pas fermée. Tandis que vous agissez de même en faisant ce que j'appelle de la ségrégation de clients. C'est pas bon. Parce que vous êtes en train de dire, il n'achète pas, il n'y aura pas plus. Si vous embarquez dans un ratio, dans un calcul coût-bénéfice comme ça, vous êtes perdant. Sachez toujours donner, même si vous ne recevez pas immédiatement. Vous allez recevoir. Ça, c'est l'expérience que vous lancez. Donc, c'est important de voir que les concurrents vont venir vous enlever des prospects. Donc, si vous adaptez, j'ai pris l'exemple de marketing de réseau que je vois souvent dans les gens qui se lancent en business, qui ont beaucoup d'expérience, ils font toute cette erreur-là. Ils ne parlent plus, parce que tu n'achètes pas le produit. Regarde, si tu fais ça, tu le donnes à tes concurrents, la personne. Parce que moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais aller chez le concurrent. Lui, j'ai rien demandé. Mais il est réceptif. Tandis que là, je vous connais, mais vous me barrez parce que j'achète pas ce que je veux. Ce que vous voulez. En d'autres mots, vous exigez des choses que vous-même, vous ne vous exigez pas à vous-même. C'est pas correct, ça. Et ça, c'est pas des bons vendeurs. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, qui peuvent changer d'attitude, mais ils ont toujours la peau du gain plutôt que de rendre service. Donc, lorsqu'on perd de vue le but de la vente, qui est de rendre service, on commet ces erreurs. Ensuite, les rapports qualité les plus récents. Ça, je vais les demander à mes clients. Est-ce que je peux voir vos rapports qualité pour vos produits et services? Pourquoi je vais le demander? Parce que lorsque je vais rédiger la stratégie de prospection asymétrique pour votre entreprise, je vais avoir à l'esprit ce qui reste à améliorer et comment, dans notre approche client, on va pouvoir tamponner les failles et mettre en valeur davantage les forces. Ensuite, les données démographiques, ça c'est bien, bien important de les avoir, parce que là, si vous faites affaire au niveau mondial, bien là, la question des critères d'âge, des cohortes de sexe, des cohortes au niveau des finances, des choses de même, il faut les prendre en considération, OK? Parce que c'est de la donnée à colliger, puis ça, à ce moment-là, ça va faciliter la prospection. Enfin, la question qu'il faut se poser lorsqu'on parle d'un marché à cibler, c'est: est-ce que je peux rejoindre plus de prospects avec le budget consacré au plan de vente que vous me donnez? Parce que si vous voulez me faire payer l'erreur que vous avez faite d'avoir fait confiance à un concurrent qui ne vous a pas donné pour l'argent, puis vous avez dit, lui, avec Boutin, on va lui en donner moins pour qu'il nous en donne plus, on ne fera pas des affaires ensemble. Parce que déjà, j'ai un problème avec vous, vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Vous voulez me faire porter votre erreur.
C'est vous qui vous êtes trompé. Vous auriez dû faire affaire avec moi avant. Je n'ai pas payé l'erreur. Assumez votre perte. Ensuite, la création du tableau de bord, ça c'est bien, bien important. Le tableau de bord va vous permettre de diriger la stratégie de façon efficace, tout en évaluant les indicateurs. Donc, vous allez avoir des boutons de contrôle dans le tableau de bord qui vont vous permettre de dire, bien là, voici, ce mois-ci, on a fait tant de ventes dans tel type de cohorte de clients, on a transité des prospects pour en faire des clients avec un pourcentage de 10%, par exemple, donc ça pourrait être amélioré à 15. Le tableau de bord vous permet de faire le suivi du plan de vente. Et la partie clientélisation, à ce moment-là, est beaucoup plus facile à modifier lorsque les changements surviennent. Alors voilà, ça résume très bien la clientélisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Là, on va prendre une pause. Puis tout de suite après, je vais me remettre debout. Et on va parler des indicateurs. De vente. En fait, dans notre plan de vente, nous avons deux types d'indicateurs. Il y a l'indicateur de vente traditionnel qui s'appelle l'indicateur de performance, et il y a aussi l'ajout que nous on fait dans notre plan de vente maison, qu'on pourrait dire, c'est l'indicateur de développement durable. Alors, on va commencer tout de suite par l'indicateur de performance. Ça, c'est ma définition personnelle, mais si vous allez, par exemple, sur le web, soit dans Google ou à la bibliothèque, dans des livres spécialisés sur la question de la performance, vous allez voir que ma définition est quand même conforme à ce qui est convenu au niveau international. Pour moi, les indicateurs de performance, ce sont des mesures prises selon un délai, une cédule de temps, dans le but d'observer la performance d'instruments, d'outils, d'employés au sein de l'entreprise. Bon, on va donner des exemples. Le nombre de nouveaux clients, le nombre de prospects ciblés, le taux de transformation prospect à client, le taux de fidélisation, le nombre de contrats renouvelés après 3 ans, etc. Ça, ce sont les indicateurs de performance que nous pouvons suivre selon notre tableau qu'on se fait, notre tableau de pilotage. Et puis, à ce moment-là, bon, on peut prendre des décisions. Ajuster des choses, faire un staff meeting, puis procéder à des changements. Ça, ce sont des indicateurs de performance. L'autre type d'indicateur que vous ne retrouvez pas généralement dans un plan de vente traditionnel, mais que vous retrouvez dans notre plan de vente avec Stéphane Boutin, ce sont les indicateurs de développement durable. Alors, les indicateurs de développement durable, ce sont des mesures prises selon une cédule de temps pour vérifier le respect des paramètres de durabilité du plan de vente. Qu'est-ce que ça veut dire plus clairement? Prenons des exemples. Le nombre d'ordinateurs reconditionnés et utilisés. Le taux d'utilisation de l'automobile pour signer les nouvelles ententes contractuelles à l'extérieur du bureau. Nombre d'heures consacrées à la prospection à l'extérieur du bureau. Le taux de conversion de l'imprimé au fichier, etc. Alors, ça, c'est pas inclus habituellement dans un plan de vente. Parce que dans la structure traditionnelle d'entreprise, ce sont des mesures prises à l'interne, mais qui ne font pas le lien avec la performance des ventes. Alors, moi, j'ai réglé un peu ce problème-là en emmenant ces indicateurs-là sur le champ de bataille, si on pourrait s'exprimer ici, hein, il ne faut jamais perdre de vue ce que j'avais déjà expliqué en introduction, qu'il faut voir le plan de vente comme un plan de bataille. Alors, vous avez besoin des indicateurs de développement durable pour optimiser. Et là, on revient à l'EDOP, l'environnement durablement optimisé, pour que votre EDOP soit soucieux de performer tout en respectant les critères de durabilité de votre entreprise et de vos ventes. Donc, les indicateurs de développement durable sont très, très importants. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, vous allez être stupéfait comment vous allez réduire vos coûts et votre budget pour faire des ventes à long terme. La deuxième raison,
Bien, votre entreprise doit être soucieuse des principes de développement durable parce qu'il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi du développement durable. Puis c'est pas juste fait pour les mines, puis c'est pas juste fait pour le pétrole, c'est fait également pour les commerces et les développements immobiliers ou peu importe. Le développement durable, ça s'applique pour tous les gens d'affaires et citoyens. La troisième raison, c'est parce que en observant les indicateurs de développement durable, vous allez même constater, à partir de chiffres et de résultats, que votre entreprise se développe ou ne peut-être pas d'avenir. Parce que vous allez perdre beaucoup d'argent s'il n'y a pas une bonne supervision des indicateurs de développement durable. Vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez arriver à fonctionner comme à l'ancienne, donc avec beaucoup de dollars à dépenser, très énergivore, ça vous prend une grosse équipe, etc. En appliquant les indicateurs de développement durable, vous allez être beaucoup plus en mesure de contrôler ce qui se passe au niveau de vos ventes, tout en ayant à cœur l'idée que vous faites des ventes en respect avec le développement durable. Et n'oubliez pas que dans le service que je vous offre du plan de vente, il y a toujours la possibilité d'une supervision par une clinique des indicateurs de développement durable. Ça, c'est un service que j'offre à mes clients, de mettre sur pied une clinique où je réunis des experts pour essayer de travailler de façon plus efficace les indicateurs de développement durable. Parce que souvent, les indicateurs de performance, ça peut quand même bien se régler parce qu'il y a quand même beaucoup d'expertise au sein des entreprises à ce niveau-là, de nos jours, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, 25 ans. Mais pour ce qui est des indicateurs de développement durable, l'expertise n'est presque pas là au sein des entreprises. Et quand on parle de ça, ils nous regardent, ils savent pas de quoi on parle. Alors, c'est important de se soucier de ces indicateurs-là, de les introduire dans votre démarche de prospection, mais aussi savoir qu'avec Stéphane Boutin, s'il y a des problèmes au niveau du développement durable, bien, on met sur pied une clinique mobile, on réunit des gens, puis on travaille sur les indicateurs afin qu'on puisse arriver à atteindre des objectifs d'efficacité supérieurs. Alors voilà. Alors en conclusion, retenons trois choses de cette vidéo. La première, c'est que le plan de vente doit être vu comme un plan de bataille. C'est très important de comprendre ça. La deuxième chose, les indicateurs de performance et les indicateurs de développement durable sont de même valeur. C'est bien important. Troisième chose, environnementalisation et clientélisation. Vous devez adopter une approche proactive par rapport à toute modification qui peut être apportée à votre plan de vente en cours de prospection. C'est bien important. La stratégie de prospection asymétrique est la stratégie que je privilégie pour vous, pour les plans de vente que je vous vends. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de connaître davantage ce que c'est un plan de vente de développement durable pour une entreprise. J'espère que ça va vous aider à faire de bons choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire dans le courriel qui va être mis à la fin du vidéo. Sinon, on se dit dans une prochaine vidéo. Ça va être vidéo puissance 3, puis on abordera un autre sujet. Et je ne vous le dis pas tout de suite. Ça sera à vous de découvrir. Bye bye, à la prochaine.